Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Triniel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour l'unboxing des Padgear F10. Donc les Padgear F10 c'est des écouteurs Bluetooth qui ressemblent énormément aux AirPods de chez Apple. Donc déjà au niveau du packaging on reçoit une boîte vraiment très très soignée. Elle ressemble énormément à la boîte d'Apple hein. Sur l'avant on peut voir les deux écouteurs. En droite on a le petit nom de la marque Padgear. Sur l'arrière on voit les écouteurs dans leur boîte. Parce que oui il y a le système de boîte avec la recharge exactement comme sur les vrais AirPods. Sur la tranche du bas on a des informations sur les écouteurs. Donc on peut surtout voir que les écouteurs tiennent 2 heures normalement en utilisation normale. Et c'est à peu près ce que j'ai ressenti, donc c'est un très bon point. Et après sur toutes les faces on a des inscriptions montrant le nom du produit. Donc les écouteurs coûtent 27€ sur AliExpress, ce qui est vraiment pas cher par rapport aux 180€ que demande Apple pour se procurer les AirPods. Donc aussi avec le colis on reçoit une petite pochette en cuir qui fait toujours plaisir, avec laquelle on a des accessoires qu'on n'a même pas avec les AirPods. On a un truc en caoutchouc pour mettre les AirPods dedans quand on va faire du sport, ce qui peut être vraiment très très pratique quand on va faire du sport. Ça peut être vraiment très pratique pour éviter qu'ils tombent ou qu'on les perde ou quoi. On a aussi 2 embouts en plastique qu'on peut mettre pour qu'ils tiennent encore mieux. Donc ça reste gadget, mais c'est toujours cool de les avoir de fournis avec quoi. Donc ensuite, lorsqu'on ouvre la boîte, on a directement une vue sur la boîte qui est vraiment extrêmement bien faite. On dirait vraiment la boîte d'Apple, à part le petit détail, bah forcément elle est moins bien finie, hein, normal, c'est une boîte à 27€. Mais la boîte ressemble énormément à la boîte d'Apple. Le design y est, franchement elle est assez stylée. Juste l'avant, il y a une espèce de truc bizarre pour la soulever. Enfin j'ai pas vraiment compris pourquoi ça y était. Mais bon, elle ressemble quand même pas mal. Donc on peut voir qu'elle se recharge avec le micro USB. Donc dès qu'on ouvre la boîte, on retrouve directement les faux AirPods, donc les Padgear F10, qui ressemblent à une goutte d'eau aux vrais AirPods d'Apple. À la seule différence qu'il y a un bouton sur les AirPods, alors que sur les vrais, on a un espèce de petit truc noir, je sais même pas à quoi il sert. Mais bon, les boutons sont assez pratiques. Donc au niveau de la boîte, on retrouve une LED verte qui clignote dès que les écouteurs sont en charge ou que la boîte est en charge. Qu'on peut aussi voir derrière avec un espèce de petit truc vert, enfin c'est assez joli. Sur les écouteurs, on retrouve une LED bleue qui est active quand les écouteurs chargent et qui s'éteint quand ils sont pleins. On retrouve aussi une LED rouge qui s'active quand les écouteurs sont allumés mais qui ne sont pas appairés à un téléphone. Et je vous rassure, j'avais peur de ça au début, mais quand on utilise les écouteurs, il n'y a aucune LED dessus. Ce qui fait qu'on dirait vraiment vraiment des vrais. Au niveau de la qualité sonore, c'est vraiment très 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 bon. Enfin, en tout cas pour 27€, je sais que la qualité n'égalera jamais celle des vrais AirPods, hein, forcément pour le prix. Mais on a une qualité qui se rapproche énormément de ceux des vrais AirPods filaires. Sachant que les AirPods filaires coûtent 30€, donc là pour 27€, on a moins cher que les vrais AirPods filaires. On a un son qui est égal et on a la technologie du sans fil avec ces écouteurs là qui ressemblent énormément à la technologie sans fil des AirPods. Au niveau de l'autonomie, la boîte peut recharger 2 fois les AirPods, ce qui est assez correct. Sachant que par exemple quand on les fait charger la nuit, on met les AirPods dedans. Donc ça fait qu'on part dès le matin avec une charge complète. Donc ça veut dire que dans la journée, on a 3 fois la charge des écouteurs. Sachant que les écouteurs tiennent 2 heures. Donc on peut tenir, donc on tient facilement 6 heures avec la boîte et les écouteurs, ce qui est amplement suffisant. Après, ce qui est bien aussi avec, c'est qu'on reçoit un câble micro USB, même si bon, ça, on a un peu tous, on va pas se mentir. On reçoit aussi un truc qui est vraiment pratique et que j'ai même pas vu avec les AirPods d'Apple, et ça, franchement, c'est vraiment un truc ultra pratique. C'est un câble qui permet de directement charger les écouteurs sans la boîte. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Si par exemple, vous partez en voyage et que vous avez besoin, bah, je sais pas, de faire un trajet de 8-9 heures. Dans ces cas-là, vous branchez votre câble à une batterie externe et comme ça, vos écouteurs, ils ont une durée de vie infinie et pas 2 heures. Donc c'est vraiment ultra pratique, je pense, pour ceux qui vont partir en voyage et garder ces écouteurs-là, que de repasser sur du filaire. Donc, pour ma part, ça fait une semaine que je les teste. C'est vraiment des très bons écouteurs, j'ai eu aucun problème avec. Donc bon, j'espère que la petite vidéo unboxing et mon petit avis sur les faux AirPods de chez Padgear, les Padgear F10, vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, abonnez-vous, c'est super important. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est Triniel et moi je vous dis bye tout le monde les gars.